le livre. C'est bon, vous avez trouvé la solution? Ça serait bien que je puisse avoir quand même un... ah ouais, vous avez emmené énormément. Ah oui, on lit beaucoup ici. C'est bien. C'est la base. Pour soulever un peu, c'est ça? Exactement, juste avoir un peu plus. Merci. C'est bon, c'est good? C'est bon, merci beaucoup. La vie, ça va? Mon collègue qui va arriver, il va s'occuper de toi. Bah c'est bon, il m'a donné des livres. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Et là, je suis déjà en live là. Parfait. Donc juste après la pub, ce sera mieux. J'espère que vous allez bien. Alors je me suis mis en live parce que vu que c'est une interview radio, j'aimerais partager ça avec vous et tout ça. Donc on va suivre, vous allez suivre mon interview en fait en live. Je suis à Africa Radio avec Phil Le Montagnard. Donc voilà. En espérant que vous avez passé une bonne nuit. Ça a été cool hier, franchement, de vous avoir tous comme ça. Alors je me suis levée KO de chez KO quoi. Voilà. Vous écoutez Africa Radio Abidjan sur 91.1 et d'ailleurs c'est une Ivoirienne hein, qu'on va recevoir dans quelques instants dans les matins d'Africa. C'était Yabongo Lova avec le titre Zapaté. Emmanuel Keïta est donc notre invité. On revient dans 5 minutes. Gardez vos positions d'écoute. Peut-être que j'avais fait un tinapo, tu m'as pas acheté quelque chose avant. T'as dit que t'avais faim? Ben t'as j'ai dit que j'avais faim moi. Mais tu as dit ça à qui? Ben j'ai dit, fille m'a même passé le pain machin là. Je vais vous montrer un raisin tout à l'heure. Non, j'ai pas vu. Hein. Comme tout. Bonjour. Ah, Tina, bonjour. Tina. Mais je viens de dire bonjour. Ah d'accord. Tina le bandit. Mais on s'était déjà rencontré. C'est l'eau. Merci. L'eau. Non, on s'était déjà rencontré, non? Oui, on était à Miss Congo. Ouais, je me disais bien. Vous allez bien? Oui, ça va. Non, je suis désolée, je n'ai pas entendu que tu avais dit que tu avais faim. Une fois, j'ai faim. Ah. C'est pas moi, c'est Samuel. Un peu en raisin, ça te suffit pas. Mais c'est pas bon, c'est trop sucré. J'ai agité dans ton ventre. Ça fait des années, j'ai pas mangé au pain raisin parce que ça va, c'est moi qui ai encore des habitudes. Hein. Bon, est-ce que tu auras ton parfum la semaine prochaine? Ouais, j'espère en tout cas. Ouais. Si j'avais pas dit ça, tu aurais même pas pensé. Non, moi je pensais qu'il allait ramener seulement des samples, mais là il va te ramener une bouteille à 200 euros. Ben, c'est parfait. Ouais. C'est un vrai gars, lui au moins il pense à moi. C'est ouais, ouais. Toi tu penses à qui? À tout le monde. Mais c'est ça, ouais. Il pense à moi. Je suis en live en tout cas, je suis en passion. Non. Ça me dérange pas en fait, c'est juste s'il y a des trucs que vous ne voulez. Non, t'inquiète pas, nous on se prend la voilà, justement. Par contre, je vais mettre là. LOL. Attends. Non mais il faut créer ton bureau, Phil. Moi je me suis débrouillée, j'ai créé mon bureau. Bah écoute, je l'ai créé pour toi. Attends, comment on fait? On faut d'abord écrire. Ok. Mm-hmm. Parce qu'on m'a dit qu'il paraît que quand tu te connectes, c'est. En tout cas, je vais appeler moi. C'est, moi aussi. On va appeler. Pourquoi? Mais j'ai le droit, là, pourquoi? J'ai le droit de quoi? Je suis par contre en live. Hein. Faites beaucoup attention à ce que vous dites, en fait. Faites beaucoup attention, je veux pas. Hein?
Allez sur la page Cinémag. Ici on est bon, hein. Ici c'est Africa Radio. Oui mais non mais je vous préviens juste. Moi je préviens juste. C'est lequel? Je sais pas. Les fans d'Emmanuel, ici on est comme beaucoup Africa Radio. Il y a deux LE à la fin. C'est du second degré ici. Oui, ne prenez pas nos mots à la lettre. Oui, c'est du second degré. Vous connaissez les gens. Vous connaissez les gens internes. T'as fait combien hier? Il paraît 30 000 personnes, c'est ça? À 37K. 37K, waouh! C'est bon ce chocolat chaud? En direct sur Africa. C'est Brownies. Ok. Africa Radio. Ok, je lance le direct. Attends, il te faut un truc. Attends, il faut que j'ai un autre truc. Est-ce que là ça peut rester là? Oh là, je suis horrible ici. Ah, c'est déjà lancé? Bah ouais. Je suis une seule. C'est bon, ça va pas gêner le. J'essaie de faire un truc là. Mais moi, j'étais persuadée que tu devais venir avec une équipe pour te. Ouais, il y avait des trucs, mais bon, je suis venue seule. Si tu m'avais dit. Bah, ça, c'était trop tôt si en fait. Si j'avais organisé ça, j'aurais deux personnes qui seraient venues avec un plaisir. Bon, j'en peux plus, je résiste plus. Tina, t'as vu comment c'est la vie, pense à moi. Oui, oui, c'est bien. Toi, tu penses jamais à moi. Ok, tu es son gars. Tu sais pas ce que je t'ai fait. Hein. On dirait que j'ai tué tes parents. Et... Ok. Bon, j'arrête le chariot. On y va dans moins de 3 minutes. Hot sauce. Mais c'était long aujourd'hui, hein, disons. Oui, c'était, on a fait longtemps, là. Ouais, après, tu vas me serrer. Non, mais quand on a un invité intéressant. Oui, mais dis-moi, je n'aime pas la pression. On avait un invité intéressant, je me suis dit. Non, mais tu n'arrives même pas à la pression. Pourquoi? Non, mais tu sais, j'aime pas. Mais on a un invité à Abidjan. On a à Vérodjens. L'air, mais c'est la vie. On a à Vérodjens. Oui, oui, oui. On est là. C'est lui qu'on a à 10h30. On entend tout. Ça, c'est un camerounais que tu as à nos amis. Ah, tu es camerounais, donc. Tu es sûr que tu es camerounais. C'est vrai que je me pose la question. Tu sais, maintenant, tu as dit. Tu as dit. J'allais aussi quand j'étais en Savoie, là. Je parlais bien avec un Togolais. Quand je lui ai dit que j'étais camerounais. Il t'a vu en bizarre. Elle a pris la bouteille dans l'avion. On m'a donné. Les petites bouteilles qu'on donne au business. Là. Ouais, le cadeau là. Le cadeau de la gueule. C'est même de la recrue ça. C'est toi qui a pavalé ça comme ça. Mais bon, elle a pensé quand même. Elle a pensé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est l'attention qui m'intéresse. C'est ça qui me. Il y a des trucs que tout le monde a. J'entends des voix parler, mais je viens de mettre une. C'est ça. Bon, j'entends des voix parler, je vois personne. Dans 20 secondes, c'est à nous. Moi, je suis saine. Hein. Ce que je t'ai ramené, je l'ai mis. On y va. Jusqu'au 29 novembre minuit, Salon d'eau célèbre les jours féeriques avec des remises jusqu'à moins 70% sur vos marques préférées. Et profitez toujours du service. Essayez d'abord, payez après. Détail de l'offre sur zalando.fr. Les matins d'Africa avec Philippe Montagna sur Africa Radio. Bienvenue, si vous arrivez à l'instant les matins d'Africa, vous avez la possibilité de poser vos questions à nos invités en nous appelant au 0155 07 58 00. Nous allons nous entretenir avec Emmanuel Keïta qui est bien installé hein, dans le studio d'Africa Radio. Bonjour Emmanuel Keïta. Bonjour Phil, comment tu vas? Ça va super bien. Juste à ta droite ou ta gauche, je ne sais plus, c'est Tina Le Bondy hein, qui s'occupe de la rubrique Hot Sauce et qui est responsable de publication du magazine SIMI qui est juste devant toi.
Et nous avons également C'est la vie, hein, voilà, qui est arrivé. Enfin, bonjour, C'est la vie. C'est la vie qui est qui? Pourquoi je présente une c'est la vie qui est, C'est la vie qui est comédienne, qui me facilite qui pas la vie. Qui est comédienne, quoi encore qui est actrice. Quoi encore qui raconte n'importe quoi du c'est fois. Tout. J'ai la télécommande. Hein, donc, si je dégame, si elle dégame, je vais appuyer pour voilà. l'arrêter. Parce que quand elle est partie, on ne peut pas l'arrêter. Bonjour, chers auditeurs, vous m'avez manqué. Ah, tu nous as beaucoup manqué. C'était comment là-bas à Douala? Non, je vais raconter ça après à 12h. Installez-vous. Installez-vous. En tout cas, on va parler avec Emmanuel Keïta qui est influenceuse. Non, mais Phil, tu exagères. Tu as prononcé le nom d'Emmanuel Keïta au moins 50 fois. C'est vrai? C'est la première fois que tu annonces une invitée comme ça. Il ne faut pas dire des choses comme depuis, ça. Depuis 6h, Emmanuel Keïta. Depuis 6h. Je confirme. Ah, voilà. Tu vas me poser des problèmes. Hein, bon, d'accord, tu me sauves. Moi aussi, je te sauverai des yeux. Ok, ce n'est pas grave. Mais je vais couper ton micro si tu reviens encore. Ça y est. Alors, Emmanuel Keïta, bah, parle-nous de toi. Comment tu arrives dans cet univers et comment aujourd'hui tu es devenu des personnalités les plus suivis à travers les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, les influenceurs et les influenceuses font l'actualité de la toile. Alors, écoute, Phil, à la base, en fait, je suis actrice. Merci, ma belle. Alors, à la base, je suis actrice. Hein. À la base, je suis actrice. Dans mon pays, j'ai fait pas mal de sitcoms, de séries. Je suis de la Côte d'Ivoire. D'accord. Vous n'êtes pas censé savoir que je suis de la Côte d'Ivoire? Non, je ne sais pas. Parce vraiment. Que Keïta, pour moi, c'est pour effectivement, je suis. Non, par contre, mon côté Keïta est malien. Je suis ivoirienne et malienne. Merci. Pardon? Reste sur le micro. Ah non, je dois rester sur le micro. Donc, je disais tantôt alors que, à la base, je suis actrice. Et donc, je suis connue déjà plutôt à la télévision, pas sur la toile. Et donc, je fais un petit break. Et pendant le confinement, justement, je reviens sur les réseaux. On s'ennuie hein, pendant le confinement. Donc, j'enchaîne des petits lives, des petits directs et tout ça. Et je suis dans ma bulle, en fait, on va dire. Je crée un mood, un game dans lequel bah, je tacle souvent les hommes. Je les traite de petits joueurs de ludo. On fait des petits débats comme ça entre femmes. Oui. Tu traites tes hommes de petits joueurs de ludo? Pas mes hommes, je traite des hommes. Les hommes que je trouve qui ne font rien en fait, de leur vie, de joueurs de ludo. En fait, le ludo, c'est un jeu que pas mal de personnes jouent devant les boutiques en Côte d'Ivoire quand ils n'ont rien à faire de leur journée. En fait. Voilà, donc, je rentre dans ce petit mood-là où je tacle un peu des petits sujets, des faits de société et tout ça. Et puis bon, je me fais comme ça, à réadopter, on va dire comme ça, en fait, par la communauté ivoirienne parce qu'ils m'avaient déjà adoptée en tant qu'actrice. Et là, du coup, bah, il me réadopte en fait en tant qu'influenceuse, en tant qu'impacteuse sur la toile. Tina. Bonjour. Bonjour. On est pourvu là. Donc, si on. Enfin, vous avez parlé de votre carrière en tant qu'actrice. Est-ce que vous avez des projets maintenant? Parce que là, vous avez un événement à Paris qui va se passer très très bientôt. En effet. Donc, ma question, c'est en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que vous voulez pour cet événement vous allez, enfin, qui est destiné à la femme ou c'est juste... Alors le thème en fait, c'est pour la femme. Femme porte tes trois casquettes. Mais ce n'est pas, cette conférence n'est pas exclusivement, c'est pas exclusivement pour les femmes. Mm-hmm. Parce que justement pour qu'une femme porte ses trois casquettes, il y a également des hommes qui le permettent par derrière, qui aident à cela. Mm-hmm. C'est important de le dire. C'est très important de le dire. Moi en fait, cette conférence... C'est pour mener ces femmes comme moi qui aspirent à porter trois casquettes. Parce qu'il y a eu amalgame, on a l'impression en fait que je porte trois casquettes et que je veux dire aux gens, voilà comment j'ai porté trois casquettes. Non. Le thème, c'est porte trois casquettes parce que j'aspire à porter trois casquettes. Et j'emmène ces femmes-là en fait à avoir cette aspiration. Pour moi, une femme ne peut pas être contente d'un seul rôle. Être uniquement une working girl ou être uniquement une femme au foyer ou être uniquement une maman. Pour moi, en fait, la femme est un être suprême. On est un être fort, vous comprenez? Et on est capable, en fait, de pouvoir endosser pas mal de choses, tout en étant organisé. Donc, quand je dis porte tes trois casquettes, il n'est pas question pour moi, en fait, de me prendre comme exemple. C'est d'aspirer à porter trois casquettes. Mais en général, enfin, pour avoir observé un peu de loin les influenceurs, que ce soit aux États-Unis ou même en France, on s'inspire parfois de sa vie personnelle. Hein, on montre... les travers aussi, on essaye de pouvoir positiver. Est-ce que c'est le cas pour Emmanuel Keïta? Bien sûr. On se sert de sa vie personnelle. Vous savez, comme on le dit souvent, le cordonnier est mal chaussé. Mmh.
Alors, le cordonnier peut être très mal chaussé, mais il peut faire de très belles chaussures. Donc, quand on regarde ma vie à moi, c'est vrai que je ne suis pas celle, la même, qui pourra donner l'exemple, en fait, de comment tenir un homme ou comment tenir un mariage, parce que je suis moi-même une femme divorcée. Voilà. Mais au risque de me répéter, en fait, le cordonnier est mal chaussé. Donc, je pourrais être celle, la même, qui pourrait justement donner ces conseils-là, en fait, pour que vous, vous soyez bien chaussé ou que vous ne rentrez pas dans ces travers-là. On a tendance souvent à vouloir avoir, en fait, comme conférencière des gens qui ont une vie parfaite. Ouais. Moi, je dis non. Ça n'existe pas, une vie parfaite. Non, on va dire une vie parfaite dont vous connaissez... En apparence, voilà. Moi, ma vie n'est pas parfaite. Elle est très entachée, j'ai envie de dire. La seule chose qui est parfaite dans ma vie, en fait, ce sont les anges que j'ai conçus. Ouais. Et je me sers beaucoup de mes travers pour évoluer. Et je me sers de mes travers, en fait, pour aider ces personnes à ne pas commettre les mêmes travers que moi. Et ça, c'est important. C'est la vie. C'est la vie. Voilà. Ah, c'est la vie, c'est... Ah, c'est votre blaze. Ah, je suis désolée. Elle n'avait pas compris tout à l'heure. Ah, c'est votre blaze. En fait, c'est son nom, c'est la vie. Et moi, je dis, c'est la vie. Ah, voilà. Parce que non, mais ça tombait pile poil, en fait. Avec, voilà. C'est souvent que c'est ça, en plus. Ça arrive à chaque fois. Alors, bonjour Emmanuel. Bonjour, c'est la vie. Déjà, c'est un plaisir de vous avoir ce matin avec nous. Et je voulais juste dire, être femme divorcée, pour moi, c'est pas parce qu'on est femme divorcée qu'on peut pas aussi donner des conseils pour garder un foyer. Mm-hmm. Parce que le foyer peut-être l'échec peut être dû au fait de l'incompatibilité des deux couples. Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas donner des... Non, parce c'est important. S'il te plaît, quand je parle... Non, j'ai rien. Non, c'est la vie, t'arrêtes pas, c'est bien. Vas-y, c'est la vie. Non, mais vas-y. Non, continue, c'est important. Tu m'as taclé en début d'émission. Bon, vas-y. Écoute, déjà, c'est bien de dire que parle d'elle, elle n'est pas en mode « ouais, je suis ». Mm-hmm. Et parle de représentation. Oui, voilà. D'accord, c'est très bien. Et j'ai eu un goût d'inachevé. Quand vous avez parlé de votre carrière d'actrice, j'aurais aimé en savoir un peu plus films, si c'était des séries, bien des sûr. Films. Alors, c'était la série École. Oui, alors moi je suis partie en fait de la première vague d'actrices, hormis les grandes mamans comme les Adrienne Coutoin, je fais partie de la première vague d'actrices, c'est-à-dire d'un certain genre qui apparaissait dans les sitcoms. Moi, ma première série, c'était la première série à succès en fait en Côte d'Ivoire qui s'appelait Classe A, qui est venue carrément changer en fait tout le reste des théâtres qu'on avait l'habitude de voir. Mmh. On rentrait vraiment dans les séries un peu genre, un peu à la française, à l'américaine. Mmh. Et justement, cette série était faite par un Camerounais, Monsieur Jean-Hubert Nakam. Mmh. Et donc, on était vraiment les pionnières, on va dire ça. Donc, j'ai commencé avec Classe A. Ensuite, j'ai eu à faire le Go Show avec Singila, Mokobé, Go lui-même, Abbas. Voilà, et ensuite j'ai fait Docteur Boris qui a été aussi également une série à succès. Voilà, donc j'ai fait trois séries qui ont vraiment eu un gros impact, et à côté de ça j'étais rédactrice également pour le plus grand journal People qui est Life Magazine. Voilà, j'étais rédactrice, je tenais deux rubriques chez Life Magazine, j'écrivais moi-même, je créais des scénarios, et voilà, donc j'ai toujours baigné un peu dans cet univers là en fait. Et comment, enfin, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez l'envie, parce que le fait de donner de ces conférences, c'est l'envie de partager. Exactement. Comment ça se fait que vous ayez eu cette envie là de partager? Où a été le déclic? Est venu d'où, de quoi? Mais le déclic est venu de mes nombreux échecs. Le déclic est venu de mes nombreux échecs. Je suis pas en train de m'apitoyer sur moi. Ma vie n'est pas une vie ratée, j'ai une très belle vie, j'ai des enfants magnifiques. J'en ai quatre. J'ai des enfants magnifiques, j'ai un business rentable, j'ai la santé surtout. Mais quand je parle d'échec, en fait, je parle d'échec à certains aspects de ma vie. Échec dans mes choix en amitié, échec dans mes ruptures, souvent très courtes. Oui, c'est vrai qu'on dit que le divorce est fait pour les hommes, mais quand tu n'arrives pas à aller au bout d'un mariage, c'est un échec. Il faut appeler un chat un chat, un chien un chien. Donc oui, donc le déclic pour moi, en fait, ce sont mes échecs. Le fait de me lancer en tant que conférencière, c'est une manière, en fait, d'expliquer mes échecs. Quand on t'explique les échecs d'une personne, ça te permet de ne pas les commettre. Et surtout, en fait, c'est une sorte aussi pour moi, en fait, de thérapie. Le fait d'être en parfaite adéquation avec mon public, parler de mes échecs, leur donner des conseils, me permet moi-même de guérir, en fait. Est-ce que ça n'aurait pas été plus pertinent d'avoir un ouvrage, je dis peut-être n'importe quoi, un livre,
qui raconte un peu votre vos j'ai pas envie que tu me, j'ai pas envie que tu me parles de livres en fait parce que c'est la grosse surprise en fait de cette année. D'accord. Voilà, c'est une évidence, c'est limite c'est vraiment un pléonasme qu'un livre Emmanuel Keïta, c'est une évidence en fait. Mais une conférence c'est encore mieux pour moi. D'accord. C'est on dit une conférence, mais je deviens conférencière. Donc, ça sera déjà en première date le 4 décembre. Mmh. Et on va enchaîner. Alors, c'était un grand défi. Alors, lorsque j'ai annoncé que tu venais ce matin à la radio, il y a eu beaucoup de réactions. Déjà, on va commencer par, je pense, c'est Violette qui est en ligne. Bonjour, Violette. Violette, tu nous appelles d'où? Oula. Oula. Alors, elle est dans une caverne parce que là, on ne l'entend pas. Hein. Ah ben, il faut enlever les écouteurs en direct à la radio quand même. Mm-hmm. Allô Violette. Allô, bonjour. Ah oui. Là c'est mieux Violette. On t'écoute Violette. Ouais, voilà. C'est beaucoup mieux. Oui, bonjour Madame Keïta. Bonjour Violette. Bonjour Thélavie. Bonjour Violette. Bonjour Thélavie, Thélavie. Alors, Madame Keïta, je suis une de vos admiratrices. Je vous aime bien. Mais par contre, je appelle aujourd'hui ce matin pour vous donner mon avis à moi. Ah, vous appelez pour vous donner votre avis. Ah, il est question de parler de la conférence, donc oui, on veut rester. La conférence. Non, mais après Phil, laissez. C'est pas grave. On y va. Même si c'était méchant, vous aurez une réponse, ne vous inquiétez pas. Parce que c'est pas un terrain de jeu. On y va. Aujourd'hui, nous sommes un mouvement de femmes de poigne. Quand on a la poigne... Les working girls. Voilà, on a ce qu'on appelle autour de nous... Ou bien ce sont les lionnes blessées de Paris. Ah, c'est pas gentil, Phil. Il faut laisser la dame tu parler. Tu es vaincu au nom de Jésus. Oh. Les lionnes blessées de Paris. Les rescapées de guerre. Elles ont fait toutes les guerres. En plus, ils rigolent. Non. Non, mais je charrie un tout petit peu. Allez-y, Violette. Ouais. Nous sommes aujourd'hui le 20...